Quand on va avoir un enfant, on pense spontanément que l'on a une chance sur deux d'avoir un garçon ou une fille. En réalité, la probabilité d'avoir un garçon est un tout petit peu plus élevée que celle d'avoir une fille, puisqu'il naît en moyenne 105 garçons pour 100 filles, sans que l'on puisse l'expliquer. Dans les années 80, ce rapport de masculinité s'est mis à augmenter dans plusieurs pays d'Asie en particulier en Chine, où il a atteint 120 garçons pour son filles à la fin des années 90. Plus récemment, cette masculinisation des naissances a été observée en dehors de l'Asie, notamment en Europe orientale, dans plusieurs pays des Balkans et du Caucase. En Azerbaïdjan, par exemple, le rapport de masculinité a atteint des niveaux comparables à ceux de la Chine. La raison principale de cette masculinisation des naissances est la préférence des garçons au détriment des filles. Cette préférence pour les garçons est prégnante dans de nombreuses sociétés. Cette préférence se combine avec deux autres facteurs. Le premier est lié à la réduction de la fécondité. Avec une descendance nombreuse, la probabilité d'avoir un garçon est grande. Mais quand les couples n'ont plus que deux voire un seul enfant, le besoin d'avoir un fils devient une préoccupation. C'est l'apparition de l'imagerie médicale dans les années 80 qui va rendre possible cette masculinisation des naissances en permettant aux couples de connaître le sexe du fœtus durant la grossesse et procéder à des avortements sexosélectifs. Pour agir contre la masculinisation des naissances, il existe trois leviers. Le premier consiste à empêcher les couples de connaître le sexe du fœtus pour éviter les avortements sexosélectifs. Le second consiste à relancer la fécondité pour diminuer la pression sur les couples à avoir un fils. Le troisième levier, le plus fondamental, est celui de revaloriser le statut des femmes dans les sociétés. Grâce à une forte volonté politique, la Corée du Sud a réussi à infléchir cette masculinisation des naissances, ce qui montre que ce phénomène n'est pas irrémédiable.